Salut. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. Donc, pas de cross-training, tout ça. Vous voyez énormément de vidéos sur le net pour des séances de cross où on se fait très, 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 très mal. Alors, aujourd'hui, on va se faire mal quand même, mais avec un renforcement de tout le corps. Donc, body sculpt, quelques petits exercices simples que l'on peut adapter avec charge ou pas. Donc, on va juste essayer de prendre des toutes petites charges, genre des bouteilles d'eau par exemple, ou des poids si vous en avez. Voilà, j'essaie en même temps de réfléchir. Un ballon, pareil, c'est accessoire. C'est vraiment pas obligatoire. Un petit espace, un tapis, une bouteille d'eau. Et puis voilà, des baskets et go. Faites un petit peu de place dans le salon, dehors, c'est quand même plus sympa. Allez, c'est parti, j'arrête pas la caméra. On y va. Donc on va s'échauffer. Je vais changer de mouvement comme ça. Ensuite, renforcement du bas du corps, haut du corps, abdos, et on est bon. Je fais du son. Allez, on vient d'espace, on traite pas les murs. Droite et gauche. Tout ça, tranquillement, adaptable à tout le monde. Hein. Même si vous n'êtes pas trop sportif, ça marche. On met à l'enfer. Allez. Si monsieur vous voulez faire une petite fitness, c'est bien, ça va vous faire travailler. La coordination, rajoutez les bras. Deux bras. Travailler son cœur également, c'est pas interdit. Allez, respire. Tu fais bouger le dos. Allez, encore. On lève un petit peu tous ses talons. Étends tes bras. Et respire. À tout moment, on calme le rythme.
large que les hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur, main devant. On descend en dessous et on remonte tranquillement. J'inspire et je souffle. Petit squat. Tu descends sur un petit tabouret. Imagine, on a un tabouret derrière. On vient s'asseoir dessus. Si c'est trop difficile, on se met contre le canapé. On descend. Ça va. Tranquille, on va passer au sol. Petit
tapis. On est bon. Avec ou sans poids, ce que vous voulez. On a besoin de rien. Si vous voulez, vous rajoutez un petit poids sur votre ventre. Aucune obligation. Talon proche de vos fesses. On s'allonge. On s'inscrit dans le talon pour monter les fesses jusqu'en haut. Et on inspire à descendre. Allez, avec moi, on va tranquille. On va faire mieux que ça. Hop, j'adapte. Ouais, désolé les aléas du direct. Yeah, yeah. On monte. On inspire. Encore. Là. Quand tu montes, tu contractes les fesses volontairement. Haut et bas. Tu bloques à chaque fois une petite fraction de seconde en haut. On serre les fesses en haut. Serre. Tu sens les deux fesses se coller l'une contre l'autre. Imagine, imagine. On prend une noisette. On la met entre les fesses. Crac. On casse la noisette. Crac. On casse la noisette. Oui, ça marche. Contraction volontaire de son fessier. Vous devez sentir vos grands fessiers. Le buste s'aligne avec ma cuisse. Encore. Femme. Tu m'aimes l'homme. Ça commence à faire mal. Hein. Ça commence à râler à la maison. Reste en haut. Bloc. Reste sur les fesses. On serre, on serre. C'est celui que vous pouvez toucher, c'est à vous. La pointe de pied se retrouve contre le sol. Tranquille, on monte la jambe et on descend. Tranquillement, et on revient. On monte. Encore. On souffle. On inspire. Pointe de pied vers le sol. Vers le sol, c'est important. Travailler petit, moyen, fessier. On pose la tête. Tranquillement. Même chose, on accélère. Haut, bas. Haut et bas. Souffle, inspire. Entre le ventre. Si tu ouvres la hanche, la jambe elle peut monter. C'est pas intéressant. Ça travaille pas le fessier. Loin le pied vers le sol. C'est là que c'est bon. Vous sentez ici? On met 3, 2, 1. Tu descends, tu remontes. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. On en met 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu descends, tu repars. 7, 6, on ne lâche pas. Et tu relâches. On change de côté.
dans le salon. Tous les biceps. La jambe du type fléchie, on avance la hanche. Pointe de pied vers le sol. Tout. Et inspire. Tranquille. Une jambe, on a un petit peu plus mal que l'autre. Moi, c'est celle-là. Encore. On rentre le ventre. La jambe, elle est dans l'alignement du corps. Tranquille. Le pied ne touche pas le sol. On continue comme ça. C'est là. Là, 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 là. Souffle. Inspire. Main devant si vous préférez. Souffle. Inspire. On accélère. En haut, en bas. Yes. Et là. Si ça va pas, tu reviens un petit peu et tu repars. Ou tu t'arrêtes, tu masses et tu repars. Allez, on serre les dents. Ça va bien se passer. On va bientôt passer au haut du corps. On en met 3. 3, 2, 1. Allez, encore pareil. Si ça va pas, on se couche et on repart. 3, 2, 1. On en met 7. 7. No discrimina a nadie, así que vamos a toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo no quiere, no quiere, me quiere. Mira pa' mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así. Zumba. Se concha, moche rica, la la la, Francia, Colombia, me gusta. Les hanches, les os de la hanche, reste face au plafond, face au ciel. Le gusta la gente, entonces fue mundial. No lo bajamos, mas nunca paramos. Este otro palo es. ¿Dónde está mi gente? Me puede escuchar al tete. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah yeah. Reste, petit plus. Encore.
va pas te poser des pieds au sol, hein. Encore. Laisse la hanche bien haut. Ich. Lâchez pas. Allez, filles. Allez, gars. 4, 3, 2, on relâche. Ah, quand même, hein. Allez, on se redresse. Je remonte la caméra. Hop. Réajustement. Tac. Al. Vous avez des poids, prenez les petits ou pas trop d'ailleurs. On va commencer par les triceps. Pieds largeur de hanche ou un poil plus large que les hanches. Point de pied légèrement vers l'extérieur. On va tendre les bras, les deux bras. Dans le dos, on ouvre les bras et on revient, on accélère, va, chut.
N'oublie pas de souffler. Encore. Les 8 derniers.
laisse pas emporter le poids, ça nous tienne pas mal. Ouais, l'articulation. Encore. 5 minutes. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Rapidement descend en tirage. Bas. Bas. C'est lent. Pour l'instant, on profite la position. Et je me redresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Là, là. Coude vers l'arrière. Je vous rappelle, les omoplates se serrent l'une contre l'autre. N'oubliez pas, on peut travailler sans poids. Connectez-vous, c'est plus dur à connecter pour le dos. Encore. Les muscles sont plus durs à connecter. N'oubliez vos bras. Avec la colonne. Encore. N'oubliez pas. On bloque et on revient. Contrôlez la descente. Ne vous laissez pas emporter par votre poids. N'hésitez pas trop lourd. C'est pas la peine. Encore. Abdominaux. Verrouillez. Petit bug. Ah. Workout Music Source. On attend la musique. On va s'y mettre. C'est pas grave. Pas. Tirage. Yes. On reprend le fil. On s'en fiche. Yes. N'oublie pas de serrer fort tes omoplates. Encore. Yes. Petit dernier. On reste en bas. Que du tirage. Reste. Coude vers l'arrière. Toujours. On va se placer et faire un peu chaud.
même changer le style. Le tempo, on s'en fout, ok? On va se placer sur notre tapis. Je vais descendre la caméra. Ouais, c'est pas simple. S'adapte. C'est mieux dans une salle. En attendant, on a ça. On se place sur les coudes. Coudes sous les épaules. Attention, ne rentrez pas votre tête dans vos épaules. Vous allez vous faire mal aux épaules. On sort la tête. Sur les genoux. Pour l'instant, sur les genoux. On aligne le buste avec les cuisses. Ce qui n'est pas mon cas là, actuellement. Donc les fesses ne sont pas en arrière, sinon je n'ai pas mal aux abdominaux. On aligne le buste avec les cuisses. Les fesses dépassent. Là, je suis déjà en gainage. Si ça suffit, femme enceinte par exemple, vous restez là. Si vous avez un petit peu mal au dos, vous levez un tout petit peu les fesses. Ça fait travailler le transverse. Si vous voulez, à ce moment-là, vous avez juste à poser les petits orteils et décoller vos genoux pour être en gainage sur les pieds. À tout moment, on peut reposer les genoux. À tout moment, on relâche un petit peu et on revient. Il n'y a pas de mauvais choix, ok? Le but du jeu est de rentrer le ventre. On aspire le nombril. Il vient se coller à la colonne vertébrale. Si vous ne savez pas le faire, je vous montre. On est en gainage, par exemple sur les genoux. On prend une grande inspiration. Et on commence à souffler. Quand on souffle, instantanément, notre air se vide de notre corps et notre taille se serre. Vous la sentez. Faites-le en même temps que je vous parle. Vous devez sentir votre taille se serrer, se serrer. C'est une longue soufflée. C'est pas... Non. Tu sens ta taille se serrer, se serrer, se serrer, se serrer, se serrer. T'as tellement mal au ventre que tu oublies tes épaules. On le fait deux fois, ok? Encore deux fois. De plus, normalement, ta taille tremble. Pas de dos creux. Attention à ça. Attention à ça. On aligne. Yes. Si vous avez mal en bas du dos, la hanche ramène légèrement vers l'avant. Comme si tu prends un coup de poing dans le ventre. Légèrement, on préserve, on arrondit un petit peu. Fesses légèrement vers l'avant pour préserver le bas du dos. Ok, on n'est pas cambré. Vers l'avant, voilà, parfait. Et on reste. Vous l'avez fait deux fois de plus, je pense. Donc on relâche. Normalement, c'est radical. Hein. T'as pas envie de faire du gainage 4 heures de cette manière. On va passer sur le côté. Coude sous l'épaule. Pareil, on va installer un bon gainage oblique. Donc coude sous l'épaule. Je vais aligner mon buste avec mes cuisses. Les cuisses sont l'une contre l'autre. Si je mets mes genoux vers l'avant, c'est pas aligné. J'amène mes genoux, mes cuisses, pour les aligner. J'aligne donc mes cuisses avec mon buste. Les pieds sont vers l'arrière. Super droit. Tout est aligné. Je tends une jambe et je me redresse. Je peux rester genou contre genou. Je suis déjà en gainage. Mon buste est aligné avec mes cuisses. Vous sentez la taille côté sol, ok? Si vous avez un petit peu mal à l'épaule, ramenez-la un petit peu plus près de vous, de votre cuisse. À tout moment, on tend une jambe. À tout moment, on tend la deuxième. La jambe du dessus, devant, ok? Parfait, on reste là. Et on fait les mêmes inspirations. Quand vous soufflez, vous sentez votre taille se serrer. Toute votre taille. Si vous ne sentez pas beaucoup vos obliques, ce qui m'étonnerait, pressez fort dans votre coude. On veut transpercer le sol avec le coude et amener la hanche vers le plafond. Salut le chat. Salut à direct. Et on amène la hanche vers le plafond et on transperce le sol avec le coude. Elle aime bien venir quand je fais des abdos, toujours. Et... Salut. Alors, on le refait une dernière fois. On tient. Et on relâche. Excellent, ça fait mal hein, normalement. On fait la même chose de l'autre côté évidemment, puisqu'on a deux côtés. Tout pareil. Coude sous l'épaule. Les cuisses l'une contre l'autre.
pareil vers l'avant, on aligne, cuisse avec buste. On lève, on est déjà en gainage. La main du dessus, on peut la mettre sur la hanche, sur le chat. On tend, si on a de la place, la jambe du dessus. Puis celle du dessous si on veut. Aucune obligation. Vous êtes déjà en gainage ici. Il n'y a pas de mauvais choix. Jamais. Ça travaille. Vous sentez. Appuyez sur votre taille. Sentez votre taille. Rentre le nombril. N'oubliez pas de souffler lentement. De presser fort le coude dans le sol. Aïe, aïe, aïe. Allez, on tient encore quelques petites secondes. Une dernière inspiration. Ça doit trembler. Si ça tremble, c'est normal, ok? Salut, elle revient. Elle aime vraiment, là. Elle veut des câlins. Et on relâche. Parfait. Petit dernier sur le dos. Mon préféré. C'est pas le mieux. Je mets du bon côté. On voit. On est tranquille sur le dos, ok? Option numéro 1, je me relève. Je mets de mes genoux, ok? Et j'essaie de lâcher mes mains sans amener les genoux ici, hein, ok? Les genoux viennent vers l'arrière pour donner un petit poids pour le bas du ventre. Le dos est plaqué au sol tout le temps. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne contractez pas vos abdos. Hop, on s'arrondit. Même chose. On arrondit le ventre, ok? Comme tout à l'heure. Votre ventre n'est pas dos creux. On amène la hanche vers l'avant. Pas dos creux, on amène. Pareil au sol, ça marche. Donc on est là. On essaie de lâcher. Pour ceux qui peuvent, on éloigne les jambes, on éloigne les bras. Tout en laissant les épaules décoller. Et on souffle lentement. On essaie de plaquer au maximum le ventre. Si vous ne savez pas trop, appuyez. Appuyez fort, fort, fort. Dos plaqué au sol. Et on tient, on tient, on tient, on tient. On souffle, on plaque le dos. Levez vos épaules. À tout moment, on fait une petite pause. On s'étend de ses genoux. Et on refait. Celui-là, on n'a pas envie de le faire pendant 8 jours. Ça fait mal. C'est normal. Ça tremble. C'est normal. Et on relâche. Ce sera tout au niveau abdominal. Si vous voulez refaire un tour de gainage, vous pouvez. Sinon, on va s'étirer. Si je trouve de l'espace, vous êtes allongé au sol. Vous tendez les bras vers l'arrière. On inspire, on laisse le dos se creuser. On se grandit du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Le dos se pose un petit peu au sol. Laissez la cambrure naturelle de votre dos, ok? Tranquille, on risque rien. On refait une fois. Ok, vous allez basculer sur la face. On est sur le ventre, les mains extérieures au tapis à hauteur de la poitrine. Et on pousse vers le haut. Si vous avez mal en bas du dos, on pose les avant-bras. Et on regarde vers le plafond ou vers le ciel pour étirer un petit peu ses abdos. On essaie de laisser les hanches posées au sol, ok? Les abdos ne sont pas totalement relâchés, on vient les contracter, on va les laisser bien toniques, c'est bien. Tranquillement. Si vous ne sentez rien, amenez vos coudes vers vous sans qu'ils viennent. Vous tirez comme si vous voulez qu'ils viennent vers vous. Ça va étirer un petit peu plus votre ventre. On bascule vers les chaussures. On inspire, on va chercher loin avec les mains pour retirer son dos. Et on relâche en soufflant. On refait. On inspire, on va chercher loin. Et redressez-vous, on est à quatre pattes. Main devant sur le tapis. L'autre main vient dessous.
couverte vers le plafond et on vient s'allonger vers sur notre épaule. On reste les fesses en arrière. C'est pas génial comme position, mais on vient étirer son épaule. Regardez le tapis. On inspire. Relâchez au maximum vos muscles. Ne leur faites pas du mal. On est en train de s'étirer. Donc on inspire. Quand on souffle, on va chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Si ça fait déjà très très mal, restez en position ou relâchez un tout petit peu. N'insistez pas plus. Ok, on ne souffle pas mal. Relâchez-vous. Et on change de bras. On inspire. Et on descend un tout petit peu plus bas. On écrase un petit peu plus son épaule. Je vais sentir toute l'épaule et le côté du dos. Ok. Ok, redressez-vous. On amène une jambe vers l'avant. Pied vers l'intérieur. L'autre jambe reste tendue derrière. Vous n'êtes pas posé sur votre fesse, ok? On est redressé de face. Les deux mains face à nous. Et on vient poser les avant-bras, si on peut. Vous devez sentir votre fesse. La fesse de la jambe avancée. Plus vous levez le pied, plus c'est difficile. Pas plus, ok? Ça dépend de la souplesse. Là. On inspire et on vient écraser cette cuisse. C'est mal. Allez, restez là encore un peu. Dernière inspiration. Sur la fesse et on vient vers l'avant. On inspire et on souffle, on vient s'allonger sur notre cuisse. Pareil, si on peut pas et qu'on a déjà très mal, on reste debout. Hein. Ne venez pas vous allonger. Ok, et on oxygène le muscle au maximum. Dites-lui tout va bien, relax, détends-toi, ça va bien se passer. On a le droit à lui parler. Ok, on relâche. Revenez vers vos pieds et on va dérouler le dos tout doucement. Vous allez poser les talons et dérouler tout doucement votre dos. Jusqu'à la dernière vertèbre, ok? Je vais replacer la caméra pendant ce temps. On se redresse et on déroule. Jusqu'en haut, doucement, vertèbre après vertèbre. Ne faites pas de mal à vos cervicales, s'il vous plaît, c'est hyper important. Là. Ah, c'est fini. C'est pas très droit. Hop. Donc vous êtes en haut, tout va bien. On va étirer encore un petit peu le bas, attraper une cheville. Genou collé, talon au niveau de la fesse. On amène une place de profil, légèrement la hanche vers l'avant pour sentir bien l'étirement du quadriceps. Ok? Allez, talon au niveau de la fesse, la hanche vers l'avant. Et on relâche. On relâche ses muscles. Relâchez, même jambe, vous posez le pied sur le genou opposé. On ouvre le genou du dessus. On vient s'asseoir sur notre petit tabouret qui est toujours là, virtuel, pour étirer notre fessier de la jambe du dessus. Vous pouvez appuyer un petit peu plus sur le genou pour étirer un petit peu plus votre fesse et descendre au maximum. On stabilise au niveau de la cheville. Votre dos est bien droit. Et on revient. On change de jambe. On attrape la cheville, genou collé, hanche vers l'avant. Stabilise. Étalons au niveau de la fesse pour étirer le quadriceps, toujours pareil. Là. Jamais. Pied sur le genou, on ouvre l'autre genou et on vient s'asseoir sur notre petit tabouret. Vous pouvez vous tenir à quelque chose si vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Vous avez bien transpiré. Vous avez mal un petit peu partout, tout en douceur évidemment. Et qu'on refera d'autres petites séances comme ça
pendant le confinement. Youpi. Parce qu'on peut, hein. Allez, on se redresse. Attrapez votre coude, bras vers le bas pour étirer l'épaule. Laissez vos épaules basses, ok? On reste bien droit. Même bras, on attrape le coude, main entre les deux omoplates. Et on amène le coude vers le fond de votre pièce pour étirer le triceps. Ici, l'arrière du bras. On change de bras et on étire l'épaule. Attrape le coude, main entre les deux omoplates. Pareil, laissez vos épaules basses, vous avez la place pour votre tête. N'écrasez pas votre tête. Coude vers le fond de la salle. On ouvre grand sa poitrine, les omoplates sont serrées dans le dos, les épaules sont basses. Les pouces sont pour l'instant vers le plafond. On les fait pivoter vers le sol et on amène les bras un petit peu plus vers l'arrière pour étirer un petit peu les biceps. C'est léger. Poitrine en avant, omoplates serrées. On vient croiser ses doigts et faire un petit dos rond. Dos rond pour écarter les omoplates et tirer le dos, ok? Laissez le dos s'arrondir, on a le droit pour une fois. Et à l'opposé, on ouvre et on se grandit. Poitrine en avant, on resserre les omoplates. Tout en gardant les épaules basses. C'est les omoplates serrées au maximum, on va lever les bras. Vous avez la place pour votre tête. Épaules basses, toujours attention, on n'est pas là. On sort vos petites épaules. On bascule d'un côté. C'est léger aussi. On étire un petit peu les obliques. Et tout le côté du dos. L'autre côté. Tout en haut. On va inspirer et prendre tout de la tension que l'on a pour la balancer au sol. Et tout, hein. Redressez-vous tout doucement. Tout pareil, on déroule le dos lentement, vertèbre après vertèbre, attention, on serre les fessiers sur un ballon bas du dos, jusqu'en haut. On enroule ses épaules vers l'arrière, poitrine en avant, on refait une dernière fois, on inspire. J'ai dit toutes les tensions, on les prend et on balance. Yes, on se déroule tout doucement. Attention, attention, c'est tranquille. Serrez les fesses. Tranquille, 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 jusqu'en haut. Et on roule ses épaules. Poitrine en avant. Normalement, on applaudit, mais là, on est un peu solo. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Voilà, que vous avez pu un petit peu vous renforcer. Et on se revoit très vite. Bisous.